Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog des 24 heures camion. Donc voilà, la première vidéo vous a pas mal plu, j'ai eu pas mal de retours positifs de votre part, donc ça déjà je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Et on a également pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre pas mal de choses, des onboard, des vidéos explicatives, des facecam, des plans de course, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et là, on se retrouve pour la partie 2. Donc, vidéo qui sera un peu plus courte, évidemment. C'est la journée du dimanche. Donc, forcément, la journée est plus condensée. On a une séance qualif, deux courses et l'épreuve mécanique. C'est la petite nouveauté de la vidéo. Donc voilà. Évidemment, on va essayer de continuer ce projet. On va essayer de faire plus de vlogs, plus de vidéos explicatives sur les courses de camions. Donc forcément, on va tourner une vidéo pour la finale du championnat de France camion à Albi, qui est ce week-end d'ailleurs. Donc évidemment, on joue le titre de championnat de France, donc il y a pas mal de choses à filmer, je pense. Et voilà, donc n'hésitez pas à donner des retours si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, qu'on la fasse monter un petit peu pour faire plus de vidéos. Et voilà, vous abonner à tous les réseaux sociaux, Théo Calvévin sur Instagram, sur Facebook également. Et voilà, mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Et je vous laisse sur ça. Bonne vidéo et on se retrouve à Albi. C'était excellent, c'était incroyable. Deuxième place, première place pour moi à la course de nuit. Voilà, des grosses émotions, grosses sensations fortes, c'était excellent. Et là, on attaque la deuxième journée. On commence par les warm-up aujourd'hui. Ensuite, on aura des qualifs et deux courses. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien à nouveau. Si on peut faire la même journée que hier, c'est le top. Maintenant, on fonce dans le camion. Épreuve qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on se prépare pour l'épreuve mécanique. Donc l'épreuve mécanique, c'est quoi? C'est pour mettre en avant les mécaniciens. Je vous filmerai tout ça, mais c'est un petit challenge où en fait il faut démonter une roue, la faire tourner autour d'un plot, la ramener au camion et la remonter le plus rapidement possible. Alors il y en a qui arrivent en moins de 1 minute 30 voire 2 minutes, c'est assez exceptionnel. Bon, moi c'est mes deux mécaniciens, c'est la première fois qu'ils le font, ils sont pas entraînés, ils sont malades, donc voilà. Je sais pas comment ça va se passer, j'espère que tout va aller bien, mais bon voilà. Je vais vous montrer quelques images et c'est toujours très sympa avec le public qui est derrière. On se régale à chaque fois. Arrivé à l'arrière, petit palais.
fait l'épreuve mécanique avec Philippe et Martin. Martin, coucou. Et bon, ils se sont très bien débrouillés. On n'est pas dernier, bon, on n'est pas les premiers, mais on n'est pas les derniers non plus. Donc c'est vraiment cool. Comme vous avez pu voir sur les petites vidéos juste avant, ben, voilà comment ça se passe. Le but, c'est de démonter la roue, la faire tourner autour du plot et de la remonter le plus vite possible. Et voilà, c'était bien cool. Ça met en valeur les mécaniciens, c'est le top. Et voilà, maintenant on se retrouve. Le speaker qui met le feu. Et on se retrouve pour la course. C'est parti pour la première course du dimanche. On part en première position. On a fait la pole ce matin au qualif. Et voilà, on va tout donner et on va aller remporter cette victoire. Je suis parti devant, je suis resté en tête toute la course et voilà, j'ai pris un super bon départ et j'ai géré. Après je me suis fait au rythme de derrière pour garder la bonne distance qu'il fallait. Et voilà, maintenant on va tout donner pour la dernière course du week-end. Dernière course du week-end, on part en 8ème position, tu as la grille inversée. Voilà. J'ai mis des pneus neufs pour me donner les maximums de chances de pouvoir remonter. Et maintenant, ben voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais tout donner une fois de plus. Je l'ai beaucoup dit ce week-end, mais voilà, on va faire le max pour remonter, aller chercher un podium, voir une victoire.
quoi de mieux de finir le week-end avec toutes ces coupes. Donc voilà, c'était vraiment juste incroyable. Je gagne les 24 heures du Mans. Donc voilà, 27 ans après mon père pour l'histoire, c'est juste fou. J'ai passé honnêtement un super week-end. Je me suis régalé à rouler avec la course de nuit. C'était juste incroyable. J'espère que vous, derrière votre écran, ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça. Mais bon voilà, je pense qu'on l'a fait pas trop mal et j'espère qu'on fera d'autres vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à mon Instagram, ThéoCalvé20, à mon Facebook, à ma chaîne YouTube. Et ça peut être top et on continuera. À bientôt.